Allez Lily Rose, là on est en retard. On est en retard pour l'école là. Non mais t'es vraiment allée en pyjama en plus. Non mais ils vont pas nous accepter ici. Salut! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner et à cliquer sur la cloche. Et surtout, regarde la vidéo jusqu'au bout si tu veux que ton nom apparaisse dans la bulle magique d'une prochaine vidéo. Bon visionnage! Salut les Pink fans, donc là on est dans une situation ultra particulière parce que Lily Rose est très en retard pour aller à l'école. Et là il est déjà 9h30 alors que l'école ça a commencé il y a une heure. Là on est lundi, on était le week-end. Donc je vais la réveiller tout de suite pour lui dire Lily Rose, t'es en retard pour aller à l'école là. Lily Rose. Non mais là tu dois aller à l'école Lily Rose. Non il est lundi. En plus t'as tes évaluations. Vite. La dernière fois quand on a fait une vidéo c'était je t'ai réveillé trop tôt mais là on t'a réveillé trop tard Lily Rose. Hop. Ah. On enlève. Allez. Allez, réveille-toi. Réveille-toi, Lily Rose, réveille-toi. Lily Rose, réveille-toi. Mais tu dois te réveiller. Allez, réveille-toi. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais on est lundi. Attends, on va ouvrir les rideaux. Regardez, il fait jour. Allez, Lily Rose. Il est lundi, là. L'école, ça a commencé. Non, mais... Là, on a 5 minutes pour se préparer, là. Ensuite, tu dois aller à l'école. Allez, mange. T'as fait tous tes devoirs, au moins. Mais dis-moi, j'en ai pas. Mais il est lundi, là. Pas c'est lundi, là. Lily Rose, regarde sur la tablette. Regarde. T'as réglé la tablette. Non, il est vraiment lundi. On est les seuls, là. Allez, Lily Rose. Bon, t'as fini de manger. T'avais quoi comme devoir? Bonjour à Orlan. Voilà. La quoi? Table de 8. La table de 8? Tu dois faire quoi avec la table de 8? Tu dois noter la table de 8? Allez vite. Ah, note. C'est pas la 8. C'est quoi? C'est quelle table? C'est la 2. Allez, fais la 2 là. Si tu vas le faire. Note bien ton nom, Lily Rose. Note Lily Rose. Mais c'est le truc de la bulle magique. Mais c'est pas grave, là on n'a pas le temps de prendre un stylo. Allez vite, note. Allez, fais 2 fois 1. Écris que les résultats, c'est pas grave. Ok. Alors 4. Allez vite. Mais Lily Rose, pourquoi tu ne te réveilles pas? Je sais pas, c'est toi qui m'as pas réveillé. Mais moi je commence à 10h, c'est pour ça, en plus je dois t'accompagner pour aller à l'école, on va faire quoi? 2, 4, ok, 6, vas-y, 10. plie la feuille, tu la mets dans ton sac. Non mais on n'a pas le temps de t'habiller par contre là. Ah si, je vais m'habiller hein. Non, on n'a pas le temps de t'habiller. Tu peux aller à l'école comme tu vas à l'école en pyjama, c'est pas grave. Ah si, école en pyjama, direct. École en pyjama. Je peux mettre au moins... Non. Et t'es... Ah oui, t'as sport aujourd'hui en plus, donc tu dois préparer tes affaires de sport. Non. Allez, mets tes chaussures. C'est pas grave, j'ai dit que j'avais pas le temps. Si, tu le fais. Sinon, tu vas te prendre une punition comme la dernière fois là. On a déjà fait 2 vidéos où tu te prends une punition, on va pas en faire une troisième. Hein. Allez. Chaque vidéo c'était des pranks. Hein. Non, c'était pas des pranks. Mais n'importe quoi. Allez. Regarde, il sourit derrière la caméra. Allez, mets tes chaussures de sport dans ton sac. Et en plus, t'as piscine, donc tu dois chercher ton bonnet de bain. Non, allez, sérieusement, vas-y, fais-le. Mais qu'est-ce que tu fais, là? Alors? Non, tu prépares tes affaires. Mais c'est pas dedans! Allez, prépare tes affaires de sport, vite, Lily Rose. On a encore 3 minutes, là. On a encore 3 minutes. Pipe, hein. Non, mais c'est n'importe quoi, là. Qu'est-ce que tu vas faire? T'es sûr que t'as que ça? Oui. Alors, termine ton déjeuner, vite. T'as encore le temps. Attends, avant d'y aller. Quoi? Attends. T'es sûr que t'as tout fait là? T'as tout fait tes doigts? Non. Ok, donc on va à l'école tout de suite. Attends, on vous embarque, on prend les caméras avec. Allez Lily Rose, là on est en retard. On est en retard pour l'école là. Non mais t'es vraiment allée en pyjama en plus. Oui. Allez, frappe à la porte. J'espère qu'ils vont t'accepter. Alors là ils nous ont pas ouvert, donc on va tester à l'autre porte. Allez vite, on doit y aller. Punaise, c'est trop embêtant. Ça fait du bien. Alors comme ça t'aimes bien aller comme ça à l'école. Allez, va tester à l'autre. Non, mais ils vont pas nous accepter ici. Non, c'est bon. On vous retrouve. Ouais, donc là, on est dégoûté parce qu'on s'est fait refuser de l'école. On s'est fait refuser de l'école. Parce qu'elle est en pyjama, donc on n'a pas pu y aller.
En même temps, on était en retard, donc c'est un peu normal. Et en plus, elle est venue en piège, donc on est dégoûté. Et là, elle va s'habiller pour y aller quand même. Donc tu vas t'habiller avec des habits normaux. Tu vas les présenter à la caméra quand même. Ok. Bah, parce que ça serait un peu dommage de rater cette magnifique journée d'école, surtout que tu as sport. Et je sais que tu as très envie d'y aller parce qu'il y a mathématiques aujourd'hui. Et oui. Comme elle adore les mathématiques, ça va être parfait pour Lily Rose. Allez, tu présentes les vêtements que tu vas mettre. Alors aujourd'hui, je vais mettre un petit jogging avec un petit gilet, tu vois, le truc qui et se voilà. Fait pas. Allez. Je rigole. Non, je vais mettre... Bah remets le même pull, voilà. Alors, et ensuite t'as un pantalon. J'ai un pantalon, okay. Je vais mettre un truc. Allez, un allez truc c'est qui est parti, par terre. C'est parti. C'est parti. Alors là, elle est en train de se préparer. Donc comme hein, vous savez, Lily Rose toujours c'est très sale. Lente. Toujours très lente, c'est pas grave si c'est sale. C'est pas grave. Oui, parce qu'en fait, Lily Rose, depuis un moment, dort habillée de temps en temps. On sait pas pourquoi. En fait, alors, j'ai l'impression rare, que... En fait, on fait tellement les fous le soir que elle s'endort comme ça, habillée à 20h30. Non. Allez. Alors, viens, on attends, je vais en chewing-gum, moi. On va retourner à l'école. On va retourner à l'école pour voir. Et on va voir ce que ça donne, s'ils vont nous accepter ou pas. Parce que là, elle a quand même raté pas mal de temps. Il est déjà 10h. Heureusement que l'école est à un quart d'heure de chez nous. Parce que sinon, on serait pas mal dans le caca, pour dire ça comme ça. Donc, on va y aller tout de suite. Et on va voir si il t'accepte. Ah, je me bats mon manteau. Ok. Il fait des travaux c'est là. Pour... Ouais, là mais qu'est-ce que tu fais là? T'es pas à l'école? Hé, hey, il est déjà. Hé, hey, il est 9h moins quart là. Qu'est-ce que tu fais? Stéphane, il m'a pas levé. Mais si, je l'ai levé. C'est... Qu'est-ce que t'as. Qu'est-ce c'est elle qui a pas voulu. Elle a pas voulu. Je t'ai levé en plus, j'avais dit dépêche-toi, il y a l'école. En plus, on est allé à l'école, mais oh elle non, s'est fait. Non, t'exagères, pourquoi? Elle s'est fait refuser en plus. Je pensais, j'avais entendu la porte claquer. Je pensais que t'étais à l'école. Bah, en fait, on est allé. Parce que Stéphane m'a proposé d'aller à l'école en pyjama à 7h. T'as été dans la rue en pyjama? Ouais. Oui. À l'école? Elle était à l'école en pyjama. Pas, non. Mais c'est Stéphane qui m'a dit de faire ça. Eh bah, faut se dépêcher alors. Garde, là, il est 9h moins le quart. Et moi j'ai commencé à faire mais mes, non, mes il petits travaux. Le... Oh là là, Lily Rose. J'ai des pas. Choses. Bah si, n'importe quoi, Lily, je sais faire des travaux. Hein. Bah j'ai changé l'ampoule la semaine dernière. Ouais, allez, mais bon, t'es tombé de l'échelle. Allez, t'es... allez, c'est parti, on va à l'école. Ok, donc là, on est dans la rue de l'école. Attends, Stéphane. De quoi? J'ai une très bonne idée. Qu'est-ce que tu veux faire? Toi aussi non plus, t'aimes pas trop l'école et tout. Bah moi, j'ai pas école avant 30 minutes, donc c'est bon. C'est quoi? Non. C'est bien d'aller à la fête foraine, non? Trop cool. Alors, dans les... Oui. Allez, c'est parti. Qui m'appelle? Merci, là. Oh non, tu sais qui c'est? Non. Devine. Directeur. Ouais. Il y a le directeur qui appelle. Vite, on rentre à la maison. Voilà, donc là, on est à la maison et on va... Où ça? À la fête foraine. À la fête foraine, mais on s'est fait appeler par le directeur. Donc on va pas vous montrer en vidéo, comme ça on va pas se faire avoir enfin, par l'école. Voilà, la directrice. Donc pour pas se faire avoir par le directeur, on va pas vous montrer en vidéo. Peut-être qu'on fera une autre vidéo à la fête foraine, mais pas tout de suite. Donc là ce qu'on va faire, c'est tout simplement que on a abandonné le sac de Lily Rose, hein, bien sûr. Non, on l'a pris. Voilà. Et attends. On l'a pris, mais je pense que tu l'as laissé au bout de la rue, mais c'est pas grave. C'est vrai. On va pas aller chercher. Non, mais attends, je vais regarder. Non, non, c'est bon, reste, c'est pas grave. Sérieusement, c'est pas grave, quelqu'un le trouvera et on nous le redonnera. Mais non, non, c'est bon. Non, c'est pas grave, reste là. Mais non, papa. C'est pas grave. Papa, est-ce que le sac, mon cartable, il est en bas? Oh, finesse, ça va, il est en bas. Ok, donc on n'a pas perdu le sac, donc finalement on va aller à la fête foraine comme on l'a dit. Et en fait c'est vraiment un truc qui tourne mal parce qu'on s'est fait refuser deux fois de l'école, il y a le directeur qui est appelé. Alors on sait vraiment pas quoi faire. Donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement, on va se préparer pour aller à la fête foraine. Alors tu vas, vas-y, remets la licorne. 3, 2, 1. Non, non, je refais toujours pas le montage. Non. Donc tu vas mettre ça, tu vas mettre ta licorne, on va allumer la lumière, c'est bon. Voilà. Donc tu vas remettre la licorne et au final elle va pas aller à l'école. Oui.
parce que c'était un prank. Non mais elle va pas aller à l'école. Et on va aller à la fête foraine. En licorne, bien sûr. Ouais. Alors, donc là, elle a mis sa combinaison licorne. On l'a pas filmé, bien sûr, hein, parce qu'il faut qu'elle se fasse des amis. Et on va à la fête foraine. Donc, elle a mis ses petites chaussures. Et là, on va s'amuser comme un petit fou. J'ai trop bonne. Allez, tu vas remettre ça. Tu vas remettre ça pour aller à la fête foraine. Moi, j'ai mis mon déguisement, que vous pouvez pas voir, bien sûr. Mais il est top aussi. Et oui, avec la petite corne et le collier de fleurs hawaïen. Allez, montre-moi ça. Allez, allez, c'est parti. Et la petite casquette Make Random Faces. Non, moi je la mets pas, parce qu'après ça va cacher ma corne. La corne. Bah quand tu mets. Allez, on y va. Attends, c'est avant parti. D'y aller, avant d'y aller, vu qu'on montre pas aux abonnés, on fait ta petite outro. Et là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, vous abonner. Bye. Salut, salut. Monsieur l'ordinateur. Allô, allô. Monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi où est passé mon cœur. T'as entendu? Ah, ah, putain. Ah, 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 ah. Il y a Valak dans la chambre. Attends, attends. On va mettre ça. Attends, t'as entendu? Derrière toi. Derrière toi. Au secours. Dans ta combinaison. Regarde. Il y a tes jambes. C'est vraiment n'importe quoi. Le bêtisier de la fin. Le bêtisier. Alors abonne-toi et mets la cloche. Bye. Et surtout mets un commentaire si tu veux passer dans la bulle magique. Yeah. Le petit bêtisier de lapin. Allez, salut monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi où est passé mon cœur. Où est passé mon cœur.